Allez, recoucou. Je viens de finir mon nuancier, enfin mes nuanciers. Donc j'ai tout ça comme couleur en feutre à eau. Tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Donc là, je les ai pas triés par couleur. Donc là, j'en ai pris un vert au hasard. J'ai pris le numéro 47. Donc le 47, c'est... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Le 47, c'est celui-là. Le vert, là. Donc ce que là, je viens juste de commencer. Je vais prendre la pointe fine. Et je ne vais pas tout faire avec vous, hein, mais je vais en faire une partie. Et je vais faire les petits contours des feuilles déjà, comme ça, sans trop appuyer. Parce que je ne sais pas encore comment on colorie avec un feutre. J'avais dit que je regarderais une vidéo, mais j'ai pas. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué qu'avec un crayon, voyez? Mais c'est bien. Donc je vais faire ce tour-là, peut-être faire le tour de celle-là aussi. Je ne vais pas tout faire avec vous, hein. Je vais en faire une partie avec vous. Parce que ça me tardait là, de finir de trier mes feutres. Enfin, maintenant, si je dis mes feutres que l'on m'a offert. Et ça me tardait d'essayer de faire un coloriage avec des feutres. Je continuerai aussi au crayon, hein. Ça c'est à peu près sûr, mais je voulais voir ce que ça donnait avec des feutres. Et alors on va voir si vraiment ça transperce pas derrière, ou alors j'aurais mal compris si ça transperce quand même un peu, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais faire cette partie aussi. Parce que j'ai cru comprendre que le feutre à eau ne transperçait pas et que le feutre à alcool transperçait. C'est peut-être le contraire. Peut-être compris le contraire, je ne sais pas. Alors, moi, mon impression, je sens que je mets beaucoup plus de temps à colorier au feutre, ce qui n'est pas plus mal. Ça m'oblige à m'appliquer. De ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Alors par contre, je pense pas qu'on puisse estomper, hein. Là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Je vais faire encore cette partie-là avec vous. Et après, je vous reprendrai pour une autre couleur. Je ne vais pas tout faire avec vous, ça serait trop, 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 trop long. Je vais sûrement pas tout faire dans la soirée non plus, hein. Bon, j'ai pris le livre. Attendez. J'ai pris aussi le livre que m'avait offert Christine, The Garden of Joy 2.
ça, ici. Je vais faire cette partie-là aussi. Voilà, je vais faire ça, ça, et je vous reprends plus tard. Bon, comment dire, je ne suis pas tellement fière de moi, mais j'ai déjà, je trouve que la fleur, je ne l'ai pas bien faite, déjà. Je n'ai pas bien, non, il va falloir que je refasse des touches. J'ai voulu faire en plusieurs couleurs, mais j'ai mis du rouge trop foncé pour ce que j'avais mis autrement. Mais bon, comme je vous ai dit, la première, ça sera sûrement pas, ça sera sûrement pas, comment? Bien, 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 hein? Alors ça, je viens de prendre quoi, là? Le 59. Ok. Je viens de prendre le 59. Alors, je vais essayer de faire cette partie-là. Alors, je vais en faire une partie avec vous, hein, comme je vous ai dit. Ouais, je vais faire le petit là déjà. Avec le 59. J'ai compris. Non, j'ai pris le côté broche à la place. Hop là. Ouais, il y a des manques de touches là. Mais les crayons que je me sers, enfin les feutres que je me sers, je les laisse à côté de moi comme ça. Je vais faire les. Je ne suis pas encore bien habituée avec le feutre. Hein. C'est le début. C'est la première fois que je colorie au feutre. Donc, je fais sûrement, même, sûrement des bêtises. On ne doit pas s'y prendre comme ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu démarrer sans regarder une vidéo. Forcément. Donc, je vais faire quand même cette feuille-là avec vous. Mais après, pour faire le reste, je vais voir, parce que j'ai le petit hérisson aussi à faire. J'ai fait la petite lapinette, là. Voilà, j'appuie ou j'appuie pas, ça fait des taches, vous voyez. Il faut vraiment que j'apprenne. Ou faire au pinceau, peut-être que... Ouais, pinceau, c'est mieux. Faut apprendre. On peut pas tout savoir. Hein. Je vais faire celle-là. Essayez de pas trop l'appuyer. Mais plus de batterie. Vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus de batterie. On y va, on y retourne. Voilà. Alors, que je ne fasse pas tomber. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu, je vais visionner après, tant pis, hein. Je vais visionner après parce que je vous parlais, mais je sais pas si vraiment ça a pris. Donc j'étais en train de vous dire que j'appuyais pas beaucoup. Mais non, je fais des marques. Ça me plaît pas ça de faire des marques comme ça.
Ouais, non, je fais des marques là. J'ai pris quel côté? Bah oui, j'ai pris le côté fin. Ça va pas. Oh, à chaque fois, je me fais avoir. Hop. C'est le côté. Voilà. Ah ben faut apprendre. Hein. Vous allez vous arracher les cheveux là, hein, les pros. Les pros du feutre. Mais je vais essayer de rattraper. Hein. C'est bizarre parce que j'ai pas mis le même vert là. C'est le numéro combien? 59. Et là j'ai mis le numéro 47. Bizarre. C'est à peu près pareil. Bon, j'ai essayé de pas trop appuyer de ce côté. Ça va faire un... Ça va faire un reflet. Bon, je sais, il y a des traits comme ça, j'aurais dû les suivre, mais non. Je fais à ma façon. Toujours la même école, elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais je trouve que ça fait des marques, les feutres, c'est bizarre. Mais je vais m'y faire, je vais m'y faire. Je vais apprendre. Alors, je ne sais pas, non, on ne doit pas pouvoir estomper. C'est dommage parce que... C'est pas trop appuyé. Et je pense que je continuerai demain. Là, pour ce soir, je pense que ça va être bon. Là, on est vendredi soir. Mais je pense que je vais arrêter parce que déjà, là, je suis un peu pas fatiguée, mais j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et j'ai la flemme de me lever pour aller me chercher à boire. Vous voyez? J'étais tellement bien partie à faire ça. Alors, je sais que vous allez me donner des conseils, ça, je le sais. Je prends, hein, je les prends, les conseils. Mais sans m'agresser, surtout. Ne dites pas, mais c'est pas comme ça. Je le sais, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça, je le sais. Je vois qu'il y a sûrement un coup de main à prendre. Mais bon, ça va le faire quand même. Oh. Je pense qu'il faut toujours tenir son feutre, toujours de la même façon, parce que sinon ça fait des marques. Hein. Je vois, quand je repasse, ça me fait des marques. Faut apprendre. J'arrête pas de vous le dire, faut apprendre. Voilà. Là, celle-là. Les autres feuilles, je verrai. Si, je vais peut-être faire celle-là.
Je vous entends derrière. Je vous entends dire, oh là là, Manique, tu saccages. Non, je ne saccage pas, je m'entraîne, j'apprends. J'apprends, j'apprends. Il y a sûrement un coup à prendre, savoir comment démarrer. Est-ce qu'on démarre du bas? Est-ce qu'on démarre du haut? Est-ce qu'on démarre du milieu? Voilà, écoutez, je vais arrêter là pour ce soir, hein. Je continuerai demain. Pour l'instant, je fais ça. Voilà. Donc, je recontinuerai demain un petit peu. Là, je vais chercher les couleurs pour faire le hérisson. Je pense que je vais le faire dans les tons marron, gris-marron. Puis après, il faut que je fasse toutes ces petites fleurs. Là, je vais les faire pareil que ce que je viens de faire avec ce verre-là. Donc, je vais laisser pour faire ça, 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 ça. Et après, je verrai. Voilà. C'est un début. Hein. Je n'ai jamais colorié au feutre. Jamais. J'essaierai aussi avec les feutres à alcool. Hein. J'essaierai. J'essaierai, j'essaierai. Voilà. On verra la différence avec les feutres à alcool. Mais les feutres à alcool, il faut que je regarde les couleurs. Je les ai pas... J'ai pas. Il faut que je regarde le nuancier, tout. Donc, je suis contente. Aujourd'hui, j'ai fait... J'ai rangé tous les feutres à eau. J'ai fait mon nuancier avec tous les numéros. Bon, ça, c'est sûr que ça ressort derrière. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, je sais pas si ça ressortit beaucoup. Si, ça ressort quand même un peu. Hein. Mais bon, c'est pas grave ça. Hein. Du moment que ça va pas sur le dessin d'en dessous, c'est pas grave. Voilà, bon, je reprendrai demain. Hein, là, on est vendredi, je reprendrai demain. Je vais laisser tout comme ça sur ma table. Et puis, et ben à demain. Re-coucou. Bon, je rajoute un petit peu de vidéo à ma vidéo. Je l'avais chargée, je l'avais publiée, mais je vais la retirer. Et je vais rajouter ce que j'ai réfléchi. Si c'est des feutres à eau, c'est aquarellable. Donc, bon, c'est joli quand même comme ça, il hein, n'y a pas de souci. Mais je pense que si je prends un pinceau, c'est ce que vous m'avez toujours... Enfin, vous m'avez dit, vous ne m'avez pas dit. Mais je pense que si je mets... Alors, attendez. Parce que j'ai réfléchi, je dis, mais puisque c'est à eau, c'est aquarellable. Donc, si j'en passe sur un plastique... Pas besoin d'en passer beaucoup, hein. Je vais voir. On va faire un essai. Hop là. Que je mouille mon pinceau. J'aurais pu mettre de l'eau directement dans le truc, mais je vais faire comme ça. Et que, bah, je vais juste faire ces petits trucs là. Bah oui, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Fallait que je mélange. Alors attendez, je vais rajouter du vert mais plus foncé. Je vais rajouter un peu plus. Ah oui, je suis un peu nunuche, hein. Mais c'est après, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on peut les. On peut mélanger avec de l'eau. Ben voilà. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc je vais rajouter cette partie-là. À ma vidéo que je vous avais publié mais que je vais effacer et que je vais remettre, enfin pas effacer mais je vais rajouter ça à la fin. Ben oui, comme ça on peut faire du plus foncé au plus clair. Ben oui, Monique, t'es un peu nunuche, hein. Voilà.
Voilà. Je vais finir ce dessin-là. De toute façon, je vais le terminer. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Au moins que je le termine. Oh non, enfin, je ne sais pas. Je verrai ce que je vais faire. Ah oui, c'est quand même mieux de mélanger avec de l'eau. Comme ça, on peut faire des... Ah mais, vous savez, c'est... Quand j'ai quelque chose dans la tête, moi, il faut que je cherche. Hein. Je vais rajouter un petit peu de couleur quand même. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Ben oui. Vous avez dû vous arracher les cheveux en me voyant. Ben, quoique ça va quand même, hein. Ça me déplaît pas, mais je pense qu'en mettant, en mélangeant avec de l'eau, et est-ce que ça traverse avec l'eau? Ben, ça n'a pas l'air, hein. Non. Par contre, là, il faut que j'attende que ça sèche. Je vais faire ce côté-là. Non, mais il est 9 h du matin, on est samedi. Hein. Mais j'y ai pensé, je dis, mais il y a quelque chose à faire avec les feutres à eau. Parce que c'est à eau, on peut mélanger avec de l'eau. Je sais pas si... Je vais mettre de l'eau dans mon réservoir parce que... Ah mais je réfléchis, hein. Ou si je passe... Attendez, je vais essayer autre chose. Comme c'est des essais que je fais, moi, si je passe et que je fais avec mon pinceau, que je reprends la matière, non. Par contre, ça, non, ça marche pas. Bon. Non mais j'essaye, hein. J'essaye plein de trucs, moi. Voilà. Par contre, je pense qu'il faut que j'en mette un peu plus sur mon... sur mon plastique. Voilà, je vais continuer comme ça. Voilà. Je vais continuer tout et je vous montre à la fin ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà. Ben, je suis contente d'avoir quand même... mais j'ai réfléchi cette nuit, hein. J'ai dormi, mais j'ai réfléchi. Je sais pas... On peut faire directement avec le feutre, hein, je pense. Mais si on mélange avec de l'eau, eh ben, c'est pas... C'est pas plus mal parce qu'on peut faire du plus foncé au plus clair. Ouais. Ouais. Donc, ben voilà. Hein. Je suis contente de moi. J'ai trouvé quelque chose. Enfin, j'ai trouvé. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Et puis, quand on réfléchit, on trouve. Hein. Voilà, bon, là je vais arrêter, c'est juste parce que j'y pensais. Je viens de prendre mon petit déjeuner là. Et puis je dis, bah, il faut que je continue, que je rajoute quelque chose à ma vidéo que j'avais publiée. Là, je vais la rajouter.
comme je ne l'ai pas jeté, je l'ai encore dans mon téléphone, je vais pouvoir faire un montage. Et puis là, question météo, j'en profite, on est samedi matin. Et comment? Et il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Voilà. Donc je vous laisse et puis je refais un montage à ma vidéo. Allez, bisous!